Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la troisième partie, la dernière partie sur Monster Hunter World version bêta. La démo, que 20 minutes pour chasser un monstre puriste, c'est vraiment rien du tout. Et donc on va faire la partie expert. Donc oui, avec toutes ces vidéos découvertes, pendant un petit moment il va pas y avoir de Super LOL Saga, fichtre. Oui, mais je fais surtout ce dont j'ai envie de faire, parce que Super LOL Saga, ça demande beaucoup de temps, encore une fois, et au bout d'un moment, j'ai eu un peu l'overdose de Super LOL Saga. C'est pour ça que moi, dans le futur, je pense que je ferai des vidéos beaucoup moins montées, ou alors ça sera sur des vidéos tests. Si je ferais des montages en fond, je vous montrerai des différents passages dans le jeu. Et à côté, je parlerai en off. Sans que je joue en direct. Après, il y aura toujours les vidéos test où je joue en direct, évidemment. Ouais, ça ressemble beaucoup au premier, ça. J'aime pas ça. Bien, partenaire. Regarde. Ah bon, après il dit ça à chaque fois, mais bon. En avant. On voit pas où est l'objectif principal. Ah si, j'ai rien dit. T'es arrivé à sa zone et cette trace du mucus, ok. Allez, viens. Bon bah go. Bon, attendez, je vais quand même changer d'arme. J'ai envie de changer un peu. Qu'est-ce qu'il y a comme arme? Alors on va quand même prendre quelque chose d'assez costaud, d'assez robuste, parce que bon, j'ai pas envie de faire que dalle en dégâts, enfin déjà que je fais quand même pas grand chose en dégâts, de base. Alors ça, âme de la forêt. Est-ce qu'il y a des petites épées là, les deux... Ah voilà, des trucs comme ça. Des tomahawks. Attendez, c'est... On peut s'en équiper, mais c'est où qu'on voit combien de dégâts on fait? C'est où les dégâts déjà? Ah oui, attaque, voilà. Une tomahawk, on fait 140, on fait deux fois moins de dégâts qu'avec la grosse hache. Mais par contre, je suppose qu'on attaque beaucoup plus vite. On va voir ça. Bon bah, pas le coup, ça sert pas à grand chose de se changer son équipement. C'est un peu optionnel. Les animations, par contre, du chat sont vraiment pas mal. Moi je me disais que c'est peut-être comme sur 3DS où il y a le chat qui pop et des pop. Il y a des bugs. Mais non, c'est assez réaliste. Une arme de courte portée qui inflige un déluge de coups rapides. Le mode démon est surpuissant. Ah oui, donc là on est en mode démon quand on fait ça. Ah oui, ça je préfère quand même. Ce genre de gameplay là, bien rapide. Avec Ron, en plus, on peut faire des combos avec Ron. Voilà, je préfère ce genre de gameplay. Après, comment on range les armes? Ah, voilà, comme ça. Et sinon, on peut attaquer normal. Voilà, parce qu'en fait, R2, ça servait à lancer, en fait, le mode... comment on appelle ça? Les attaques un peu plus puissantes, sauf qu'on est un peu plus lent, peut-être. Parce que si je range, je refais la même chose. Ah ouais, parce que là il fait deux coups, par exemple on appuie une fois sur triangle, il fait deux coups. Alors que si on fait ça, on appuie une fois sur triangle, il fait un coup. La différence. Oh purée, mais c'est stylé! Comment j'ai fait ça?
Attendez, comment j'ai fait ce truc? J'aimerais bien le faire savoir comment j'ai fait ça. Voilà, il saute tout seul. Attends, peut-être comme ça là. Ah voilà, en fait, faut être en mode berserk, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. En mode adrénaline et après juste faire croix, sauter, enfin faire une roulade juste au-dessus du sol. Et sinon, on peut pas le faire quand on veut. C'est que si on est sur une petite plateforme en hauteur. Je suppose. Alors par contre, c'est où dans la carte? Parce que je sais déjà plus, je suis paumé. Eh d'accord, bon, on est au bon chemin. Mais bref, voilà, c'est... Pour Super LoL Saga, voilà, pour vous dire que... une vidéo toutes les deux semaines, ça sera un peu compliqué. Non, ça sera même peut-être une partie par mois. Je sais pas, ça va peut-être partir en vrille, mais au moins faut qu'au moins les épisodes soient, faut qu'ils soient de qualité. Bon, sinon je vois pas trop l'intérêt. Ouais, encore une fois, si c'était un let's play classique, les parties, hein, il y en aurait au moins, si ça se trouve, deux parties par semaine de 40 minutes, voilà, ça aurait été quand même un peu mieux comme rythme, hein. Même bien mieux. Mais bon, c'était mon choix de faire beaucoup de montage dans ce genre de jeu. Et bon, ça sera vraiment... Les Mario Luigi, c'est vraiment les seuls jeux où il y aura du montage. Et dans le futur, il y aura le Parn le Caïd. Mais j'en ferai pas beaucoup des vidéos sur Parn le Caïd. Même s'il y a 5 épisodes en tête que j'ai en tête là à faire. Enfin, 4 épisodes. Parce que bon, le premier est déjà sorti. Avec beaucoup plus de montage que le premier. Parce que les idées diffusent. Je note au fur et à mesure et... Ouais, quand j'ai une petite idée en tête comme ça. Et voilà, je pense que ça va être quand même une série où je vais faire quelques vidéos là-dessus. Je pense que ça continuera longtemps. Parle le Caïd. Mais... Ça sera... Bah, le rythme, ça sera complètement aléatoire. Il y a peut-être des infos vite fait sur Twitter, mais bon. Ah purée, je suis allé chez Paoui du coup. Ok. Bon, on a un peu voyagé. Alors, faut descendre. Peut-être que par là, on va peut-être le prendre à revers. Je ne sais pas, c'était quoi exactement. Ouais, en passant par là et on descend par là. Ok. Il y a encore ce monstre. Donc le message que je viens d'avoir ici, c'est un pote qui va s'acheter Monster Hunter World. C'est pour ça qu'il demande comment c'est. Et c'est d'ailleurs entre guillemets, hein, fait un... enfin c'est principalement pour ce jeu-là qui s'est fait une nouvelle config. Parce qu'à la base c'est un joueur PS4. Alors que moi à la base je suis un joueur plutôt PC. Voilà, le contraire, c'est magnifique. Voilà, on fait... Par contre, on fait beaucoup de dégâts, je me rends pas bien compte, est-ce que c'est mieux que l'arme d'avant? Si, après, on est très rapide. Bah, c'est plus fun à jouer, c'est plus le bordel.
après, purée, là, il veut pas mourir. Encore une fois. C'est peut-être qu'il est... C'est peut-être dommage, vraiment, que qu'ils aient pas mis de barre de vie. Je sais pas pourquoi ils font pas ça. Enfin, ça, c'est la surprise. Alors, je crois que je suis en train de roxorer là, et en même temps, je tape mon chat. C'est pas très gentil, mais bon, je ne le fais pas exprès. Ah, c'est plus un assistant, quoi, le chat qui est avec nous. C'est plus, il est là pour nous soigner, principalement. Alors là, purée, il s'enfuit. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'attaque, mais bon, j'avais envie de l'attaquer. Bon, je pense qu'on recommencera la mission, hein, parce que c'est pas très bien parti, là. Purée, mais il s'enfuit. Il titube. Il est bientôt mort. Il faut le tuer. Purée, mais c'est quoi? C'est cette vitesse. Je suis trop lent. même avec deux petits couteaux. Ouais, non, je suis trop lent. Enfin, deux petites épées, plutôt. Des hachoirs. Eh, mais purée. Ah, faut que je me mette en mode berserk, là. Barzilla, mode berserk. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lucioles, ça explose. Il y avait une grenade aveuglante. Que se passe-t-il? Bon, là, ça bouge un peu dans tous les sens, donc... Peut-être que sur la capture, ça va être Pixel Land. Oui, puis dans le futur, j'envisagerai aussi, dans quelques mois, j'envisagerai de... Ah voilà, on l'a tué. De changer de boîtier. C'est déjà mon boîtier de base, il commence à bugger, à planter. Même si là, ça a l'air de bien se passer, hein, j'ai trouvé la technique pour que ça soit plutôt stable. C'est tout simplement, je... Pas trop entendu, il faut se faire discret. Est-ce qu'on peut se TP? Je ne pense pas. Bon, faut déjà sortir de cette grotte. Mais bref. J'envisagerais de prendre un nouveau boîtier qui se branchera à la fois sur le PC et puis sur console. Donc pour pouvoir... avoir au moins du... vous proposer au moins du 1080p 60 fps, et du coup ça me demande pas de contraintes aussi de mon côté, car quand un jeu tourne en 60 fps, je suis obligé pour le boîtier de mettre du 720p et non 1080p. Enfin, je suis obligé de jouer aussi de dans mon coin en 720p. Pour que ce soit en 60 fps, sinon c'est du 30 en 1080. Donc bon, ça c'est le problème évidemment des boîtiers autonomes qui marchent sans avoir besoin de PC à côté. Et bon, vu que moi j'ai une configuration plutôt assez haut de gamme, en tout cas il y a 2 ans, ça tient toujours le coup maintenant, et bien pour... Je pense que ça passerait nickel en 1080p à l'avenir. Même si, encore une fois, j'envisagerais aussi de me faire une nouvelle config. Mais bon. Ça sera pas tout de suite. J'attaque dans le vide, c'est magnifique. What? On peut pas le tuer, lui. Attends, il est avec nous ou qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. C'est le chat qui s'est transformé en... Ah non. J'allais dire, c'est Milka. Elle s'est transformée en espèce de lézard géant. Que s'est-il passé? Faudrait vraiment que j'apprenne comment utiliser
Les armes secondaires. On s'est à moitié paumé là. Putain, je peux pas mettre un marqueur. Bon bah on va partir. Ça sert un peu à rien de combattre ceux-là. Pas sortir là. Après on a les numéros pour pouvoir se repérer, hein. Numéro 9, numéro, ça c'est numéro de parcelle, je dirais. Purée, mais... Les numéros de parcelle, faut vraiment quand même faire gaffe à ça. Ça peut être bien pour se repérer. Ah, c'est plus par là. Bon après je parle pas beaucoup, mais bon. Dans ce genre de jeu, on est plus concentré et tout. Dans un jeu de plateforme, on a beaucoup plus de choses à dire. Que là, évidemment, hein, on a envie de, quand même de se plonger dedans. Ah purée. Alors on s'engouffre dans les grottes, on sait pas où on est. Et puis il s'épuise vite, hein. Gérard. Papy Mougeot, là. Ah, c'est peut-être parce que c'est Papy Mougeot. Il prend trop son indépendance, là. Et qu'est-ce qui se passe, le vieux? Par contre, je viens de remarquer, ça ne met pas le jeu en pause, hein, quand on regarde la map. C'est un peu pénible. On peut se faire attaquer à tout moment. Ah bah là on est pas loin du monstre. Regardez les empreintes. C'est que ça. Regarde. Ah tu peux éclairer les zones sombres. Ah oui mais bon c'est pas si sombre que ça. Hein. Ah, attendez moi j'ai joué à des jeux bien plus sombres là. J'ai joué à Splinter Cell, voilà. C'est pas rien. Même les petits monstres, ils sont assez résistants. Ah ça c'est peut-être... Ah ok, c'est carrément le chat qui chevauche un monstre. Mais c'est énorme. C'est n'importe quoi, mais c'est énorme. C'est très japonisant, mais c'est énorme. C'est lui, en fait, qui chope le monstre. C'est... Il est pas si inutile que ça, le familier. Attention. Bon, après, là, je trouve pas grand-chose. Okay, bah en fait, je crois qu'il s'enfuit à chaque fois. Ça bouge à chaque fois, purée. Alors, les empreintes. Vieux mucus. Ah, voilà. Parce qu'il laisse du mucus. Une substance. Ah, les empreintes. Ça me fait un peu penser à The Witcher 3, la façon de chercher sa proie. Enfin, dans The Witcher 3, c'est plutôt la façon de rechercher où s'est passé le meurtre. Il y a beaucoup d'énigmes dans The Witcher 3. Il y a des empreintes partout. Je pense que là, on va trouver. Et là, la démo sera finie. Au moment où on va trouver. Ah, oh, fichtre! Plus de temps.
Je suppose que c'est ça, hein, une petite supposition. Un espèce de T-Rex, oui. Enfin, un raptor plutôt. Bon, un T-Rex, il ne pourrait pas rentrer là-dedans. Mais mon dieu. Un raptor bien costaud. Après, ça va être encore le bordel là. En plus, on est dans un endroit assez confiné. Du coup, c'est. Caméra, s'il vous plaît. Ça va être ça. Ah voilà, là. Il a la bienveillance de sortir de sa grotte. C'est bien. C'est comme ça va être moins de le bordel. Il a compris qu'il fallait faire ça pour qu'on achète son jeu hein, au monstre. C'est parfait. Bon, vraiment, c'est dommage, on peut pas le loquer. Attendez, je pense qu'on peut le loquer, mais j'ai juste pas compris. Fiche. Qu'est-ce qu'il fait mon perso là? Il attaque. Ouh là là, la purée, mais il fait n'importe quoi. Il nous fait une acrobatie à la Matrix là. Qu'est-ce qui se passe là? Il fait un peu n'importe quoi. Allez, d'accord. Après, c'est la danseuse des étoiles. Ah, c'est plus Papy Moujo là, c'est la danseuse des étoiles. Se reconvertit en danseuse musique classique. En petite majorette. Ah, évidemment, on a des musiques épiques quand on combat un monstre. Faut bien ça. Est-ce qu'après, c'est des thèmes qui sont. Ah purée, qui sont mémorables. Je ne pense pas. Purée. Ah bah oui, c'est déjà fini. Ça fait déjà 20 minutes. On a fait un peu n'importe quoi, donc moi je préfère recommencer. Parce que bon, on a perdu beaucoup de temps au début à faire. Mais par contre, on lui donne presque pas de dégâts. Comment ça se passe? Parce qu'on fait souvent du 3-3-3. Je suis désolé, mais 3x3, ça fait 9, et c'est bof. Par contre, elle est vraiment complète, cette démo. Ça fait plaisir, quand même. C'est bon, la démo de Sonic Force, c'était un peu du foutage de gueule. La démo qui dure 3 minutes, c'est magnifique. Le truc, le jeu, tu le télécharges, tu mets une heure à le télécharger, puis après, oh, démo de 3 minutes. C'est magnifique. Alors, t'as pas plus de 60 secondes à faire le niveau, hein, top chrono. Ah, et pas plus de 60 secondes aussi à faire le boss après, hein, top chrono. Ah, et aussi, un autre niveau avec l'avatar, t'as pas plus de 60 secondes à le faire. Bon, après, tu peux quand même bloquer les secondes dans le niveau de l'avatar pendant le quick time event, mais bon, seuls les experts peuvent savoir ça, et moi je l'ai su après, enfin je l'ai su quand j'avais le jeu quoi. Voilà. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que il y a beaucoup de tricheurs dans Sonic Force. Il y a beaucoup de timers buggés là. Ils finissent le niveau en 10 secondes. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, bah, faut pas du tout se baser par rapport à ces temps-là, quoi. Et du coup, bah, le classement, il sert à rien. Voilà, c'est génial. Il y a plein de tricheurs. Il est tout ronron, le petit chat. Bah, j'avais envie de dire ça. Ce sera la miniature de la vidéo. Bon, sinon, globalement, bah, les temps de chargement, ils ont pas l'air bien longs. Ça va. Globalement, cette démo, franchement, est très complète. Hein, y a pas de problème. Un peu comme la démo sur 3DS, on avait quand même une démo vraiment complète. Capcom, à ce niveau-là, quand même,
pour les Monster Hunter en tout cas, ils donnent des démos assez complètes. Contrairement par exemple à Resident Evil, à point noir pour Resident Evil Revelation. Alors, ce jeu est excellent, mais franchement, la démo, elle ne donne pas du tout envie. Parce que la démo qu'ils ont mise pour la version Wii U, PS3, etc., la version HD, sur 3DS, il y avait une super démo. Pourquoi ils n'ont pas gardé celle-là? Pourquoi ils n'ont pas gardé cette démo? Ça n'a aucune explication. Bon, elle est un peu chiante à parler au début, là, à dire le truc. Ah! Ah, on peut se mettre en mode furtif! Ok! Je ne savais pas, c'est en appuyant sur croix. Et en ne bougeant plus, on se met en mode furtif. Alors bon, je vais peut-être pas garder ces armes-là. Il faudrait prendre des armes plus puissantes. Mais bon, je pense qu'il n'y en a pas dans la démo. Des armes plus puissantes de ce style. Ouais, si ça se trouve, ils mettent les meilleures armes du jeu pour la démo. Même si je crois 144 d'attaque, c'est pas terrible. Je crois qu'on pouvait aller à 300 avec des armes comme ça, dans le 3. Je pense que ça va être pareil dans celui-là. Voilà, je vais prendre la hache ou l'épée. Avec le bouclier, tiens. Est-ce qu'un bouclier, ça protège vraiment face à des créatures comme ça? Est-ce qu'il y a une utilité? C'est mieux d'esquiver. Bon, allez. On va continuer avec la hache. Et ça faisait quand même pas mal le café. Il n'y a pas besoin de prendre... Il n'y a pas besoin de prendre... Enfin, de changer l'équipement, de changer l'armure, parce que bon... globalement, quand même, on est assez robuste. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, et en fait, les lucioles, on les utilise que quand on est dans la grosse zone rouge. Bon, bah, cette partie, elle va durer plus longtemps que les autres. Parce que je vais quand même essayer de réussir, là. Bon, si je me viande aussi dans le deuxième coup, tant pis. Ah, c'est par là. On y est déjà, hein. Ah voilà. Les empreintes. Putain, je vois pas d'autres empreintes là. J'ai cru voir des empreintes ici. Ah, quoique le jeu il est pas si fluide que ça. Hein. Là ça rame un peu. Puis je sens ma PS4 chauffer. Donc bon. C'est quand même un jeu bien gourmand en ressources. Par contre, que faire là? Parce que bon, il n'y a pas d'empreinte, on est un peu au milieu. Il faut peut-être tuer ses congénères, hein, je ne sais pas. Bah, ils nous laissent la paix, hein, assez rapidement, hein, donc bon, ils sont un peu inoffensifs. Hein. Ah voilà. Trouver quelque chose. Alors voilà, quand on comprend plus le bordel. Après, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment se balader partout où l'on veut, vu qu'on est limité en temps. Mais après, là, c'est logique parce que c'est la démo. Mais est-ce qu'il y aura ça vraiment dans la version finale? J'espère que non. J'espère que c'est que la démo qui est comme ça, où on est limité dans le temps. J'espère qu'on échouera que dans le futur, si c'est que si on est mort. Et pas parce que le temps est coulé. Oh merde, je voulais faire un meilleur chrono. Bon bah, salut le monstre. Hein. Allez, barre-toi. T'as de la chance. Je te laisse sauve. Ah voilà, il fait son petit roupillon. Il est tout mignon. Regardez-moi ça. On va lui dire bonjour à notre façon. Voilà, c'est très sympathique de notre part. Et c'est parti, c'est bon, il s'est réveillé là. Ça n'a pas mis de bonne humeur, il s'est levé du pied gauche. Ah, c'est parti. Ah purée. Alors est-ce que ça va mieux le faire avec cette arme? Après, on n'a pas eu le temps de vraiment l'affronter.
avant. Parce qu'on a un peu fait. J'avais un peu fait n'importe quoi. Purée. Ah, mais. Mais reviens! C'est pas vrai, ils vont trop vite les monstres en plus. Je dirige un camion Ben. Ah purée. Qu'est-ce qui. What? Comment j'ai fait ça? Oh mais c'est stylé. Eh par contre si j'attaque comme ça je fais un dégât. Ça sert à rien. Attendez. Ah peut-être lui taper sur la tête. Un dégât. Ça sert vraiment à quelque chose. Et c'est au bout de combien de temps qu'on quitte, qu'on lâche prise. Sur la queue, ça doit être plus compliqué. Ah. Oh. Ah là, on a fait un truc pas mal. Ah, cette fois, aller à droite, à gauche. Faut changer de place sur son corps. Ah oui, si c'est ça, ok. En fait, j'ai pas trop compris le gameplay. Hein. Faut trouver son point faible quand on est sur lui. Ça doit être ça. Vraiment son point faible, là il sort son arme et pouf, ça fait mal. Ah purée, par contre là on lui ferait vraiment des dégâts. Donc il est pas content, il nous écrase, il nous respecte pas, mais c'est pas grave parce que nous de même, vas-y là, purée. Bon, je pense que en réalité, après se prendre un coup de queue comme ça. C'est compliqué, voilà, on est mort, c'est magnifique. Ah oui, je me souviens de ça, dans le 3, je crois que c'était pareil. Quand on mourait, il nous relâchait comme ça, comme une vieille merde. Quand tu t'es soigné pour te réveiller au camp. Ah oui, mais il est soigné le monstre à l'heure. Comment ça se passe? Je ne sais pas. Là, je vais me soigner. Enfin, je vais d'abord faire ça, que... Si je bouge. Ah bah non, c'est pas aiguisé. Il faut attendre toute l'animation. Ah non, mais c'est pas si cheaté que ça. Ça. Méga potion. Ah, faut peut-être plutôt s'équiper de méga potion contre lui. Hein. Bon, là, je pense qu'on va se finir là-dessus. Par encore une fois une défaite, hélas. Parce que bon, il s'enfuit là. C'est quoi ça? Un monstre belliqueux, toujours prêt à se battre. Attention à ses coups de pattes et à ses morsures. Bah, c'est peut-être lui. Et qu'est-ce que je fais? Ça fait quoi si je fais confirmer? Ça fait rien. C'est génial. Ah si, ça nous met où faut aller. Ah, c'est pas mal. Après, ça le fait avec les lucioles. On peut pas marquer sur la map. Ah, bah comme ça, on passe dans ce passage-là. Ok, ça, je l'ai fait qu'en off. Vous allez voir, alors, ce passage alternatif. Bon, c'est pas inutile de continuer. Et bah après c'est le même genre de maniabilité qu'un Monster Hunter 3, mais c'est quand même plus fluide. C'est moins un camion Ben que dans le 3. Ou le 4. C'est pareil. Allez, bon, le combat. Ok, le premier coup ne l'a pas réveillé. Tout est normal. Par contre, on n'a pas un équipement plus tard pour pouvoir se protéger les oreilles, puisque à chaque fois le perso il se tire les oreilles et il bouge plus, c'est un peu pénible. Bah, il boite à moitié, je suppose qu'on lui a fait quand même mal. Je suppose quand même que. On n'est pas une petite souris pour lui. Fiche. Puis les animations quand même. Ah, c'est du bon boulot, hein, du bon boulot Capcom. Peut-être que Resident Evil 6 il est moche, peut-être que le 7 il est pas très beau aussi, mais franchement Monster Hunter, l'équipe qui s'occupe de Monster Hunter, eh bien se débrouille bien mieux.
C'est bon, je suppose qu'il y a plusieurs équipes chez Capcom. Fichtre. Et bon, moi, la plupart du temps, les jeux que je connais de chez Capcom, ce soit des vieux jeux de plateforme sur NES ou Super NES, soit du Street Fighter, soit du Mega Man, bah, vieux jeu de plateforme de lit, on va dire, ou alors du Resident Evil. Il nous reste 10 minutes. Ça peut aller, je pense, enfin, c'est pas beaucoup, mais il peut se passer les choses en 10 minutes. Ah purée, purée on est électrocuté, mais vas-y. Ah mais lui aussi. Et lui aussi, c'est quoi qui nous a touché? Ah oui, mais ça c'est inesquivable. Ah, je suis désolé. Mais... Ah comment il boit sa gourde. L'animation. L'animation du chat, c'est magnifique. Ah, ils ont fait tout pour le rendre mignon. Hein, c'est... Ah oui, je combats avec mon chat, voilà, je suis un chasseur de monstres. Voilà, tout est normal. Alors, mon chat, il se mesure à des raptors qui font 100 fois sa taille. Bon, il a pas peur. Hein. Il fole un petit coup. Hein. Il boit avec sa gourde surdimensionnée et c'est bon, il est reparti. Il est reparti comme en l'an 40. Ah purée, les monstres par contre ils sont chiants, ils aiment bien se cacher là. Ah purée, mais c'est pas possible, Elis. Il part encore. Allez viens, la fête n'est pas finie. La démo n'est pas finie, monsieur Raptor. On peut se passer des choses encore en 10 minutes. Ah, faut un peu switcher entre rond et carré, sinon... Vous avez vu, on fait presque plus de dégâts hein, si on fait toujours la même touche. Faut faire des petits combos. Il faut penser aussi à aiguiser l'arme, même si là j'ai. Ça peut aller. L'arme s'use quand même assez rapidement, faut faire un peu attention à ça. Ouais, c'est carrément fait piéger par. Mais c'est énorme! Attendez, comment bien pris au piège, frappe-le de toutes tes forces. Bah oui, mais comment on monte sur lui? Comme j'ai fait tout à l'heure. J'aimerais bien monter. Mais... Après, faut peut-être aller sur la plateforme là-bas. Après, je peux plus bouger. Ça, c'est pas mal. Il peut se faire piéger par la végétation. C'est énorme. Quoi. Je pense pas qu'il y avait ça sur 3DS. Ou alors la 3DS là. Est... Purée, ça serait un radiateur. Mais c'est fou. Et soigne-toi vite! Apparemment, il répond, mais trois plombes après. Ah, bah, je sais que c'est ça pour esquiver, j'esquive toujours. Ah, c'est pour plus être cramé. Ok. J'étais en train de. Ah, ok, il crache des flammes, oui. Le raptor, il s'est à moitié transformé là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus un dragon qu'autre chose là. Ah. Ok, il y a un monstre qui s'est fait avoir là, piège Liam, mais. Est-ce que après nous-mêmes on peut poser des pièges? Ça serait pas mal ça. Attendez, je vais aiguiser. Bon, par exemple, faudrait que je pense à mettre l'aiguisoir. Est-ce que ça se dit aiguisoir? Ah bah oui, il y a marqué aiguisoir de toute façon. Je pense à mettre l'aiguisoir avec... à côté des potions, parce que bon, c'est un peu chiant de switcher, de mettre trois plombes à switcher. Enfin, on fera ça dans la version complète. Voilà, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pendant un petit moment, il faisait plus rien. Oh, c'est pas, on se fait aider par les autres monstres là.
Parce qu'ils se font attaquer par le raptor, donc ils se défendent. Ok, par contre, l'IA, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il fait plus rien. Ok. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs d'IA comme ça. Il était en train de réfléchir et il se dit, est-ce que je m'enfuis ou est-ce que je mange mon petit repas là? Parce que bon, quand même, c'est aussi bien qu'un kebab. Et un kebab, c'est pas rien, wesh. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je reste ici? Ah, mais en même temps, je me fais frapper par des petites pichenettes. Ah, il y a hésitation, là, il y a hésitation. C'est Raptor, le caïd. Ah, purée, est-ce qu'on peut lui monter dessus? Un truc explosif, purée, je pouvais mettre un piège. Qu'est-ce qui se passe? Eh, mais je crois que il y a plein de trucs que j'ai pas compris là. Ah, mais là il est presque mort. C'est ça en fait, je m'en souviens maintenant. On voit les monstres qui sont. On voit à peu près leur barre de vie à l'arrache comme ça. Avec leur façon de se mouvoir. Et purée, mais il s'enfuit le bout. Et aussi, ils font que de s'enfuir, et quand ils s'enfuient, ça veut vraiment dire qu'ils sont dans la mouise. À ce niveau-là, l'IA est plutôt pas mal, mais sinon, il peut y avoir quand même des bugs, vous avez vu. C'est un peu dommage. Purée. Bon, faut que j'aiguise ça. Bon, faut plutôt que je me soigne, je ne sais plus. Allez, soigne-toi là, papy Mougeot. Ah, purée. Ah oui, ok, ça utilise carrément une potion, mais par contre, on l'a presque pas utilisé, ça l'utilise quand même. Ah, faut vraiment attendre, voilà, qu'il utilise complètement la potion pour pouvoir en profiter pleinement. Bon, par contre, il est un peu chiant à s'enfuir. Monsieur le raptor. Purée, c'est où l'aiguisoir? L'aiguisoir est je sais pas où à chaque fois. Ah voilà. Je l'ai trouvé au moment où je vais attaquer le monstre. Et purée. Ah c'est vraiment bien fait quand même. Attends, on va vraiment. Là il a des difficultés pour passer par là. Il passe pas au travers. Hein. C'est bien fait. Les animations. On voit quand même qu'il épouse bien le sol, enfin ses pattes épousent bien le sol. Et prends ça. Ah. Il voulait faire une sieste, mais pas maintenant. Tu sous-estimes le prince des saillants. Ah. Et je crois que ça... Ça va se casser ces lianes ou quoi, un C4. On va tomber. Ah, ça c'était pas mal. On sait quand qu'il meurt par contre. Ah voilà. Bon, il reste combien de temps parce que c'est le stress là. Ça nous dit pas exactement combien de temps il reste. Et il n'y a pas très longtemps, il mettait 5 minutes. Ah, purée, ça s'en fait. Ah, pourtant, on est bien parti là. Oui. Ah. Je me fais un peu défoncer, mais voilà. Il se passe des choses. J'ai l'impression que la musique s'arrête des fois. Oh oui! Cette victoire. Oula, un peu de ragdoll. Ils ont pas pu s'en empêcher. Bah c'est nickel ça. Quand il nous a resté que dalle comme temps en plus.
Et ben voilà, on a réussi la mission la plus dure de la démo. Donc voilà, ça veut dire que normalement je réussis la quête intermédiaire, hein, voilà, c'est ça. Donc c'est victoire pour tout, hein, évidemment. Temps de complétion, 18 minutes, c'est quand même juste. Hein. Bon, même si j'ai pas très bien joué, c'est vrai que hein, je me suis fait un peu défoncer, et que je connais pas trop encore le système de combat. Mais bon, vous avez vu que quand même, même en se concentrant, il reste pas beaucoup de temps à la fin. Et c'est quoi par contre caché? Ah ok, ça cache juste le la TH. Pas très utile. Rien ne peut nous arrêter. Ah, le petit cadeau. Et voilà, oui, le cadeau c'est... Bon, on va précommander le jeu, comme ça vous aurez vos cadeaux, bordel. Version Ultimate, 150 euros. Ah, voilà. Alors pour se marier, on va voir combien ça coûte la version, je sais pas quoi. Je crois que c'est 80 euros. Je pense. Ah bah c'est ça. Ah, évidemment, ils te mettent toujours. Et ça c'est simple, ils te mettent toujours, mais vraiment toujours, la version Deluxe édition bidule chouette, la meilleure version avec tous les DLC quoi, Season Pass en premier. Hein. La version normale, vous aurez du mal à la trouver. Ah, il faut chercher. Il faut chercher pour trouver la version normale. Au prix de 60 euros. Quoi. Bon, après, ce genre de jeu, ça vaut le coup d'acheter quand même à un prix assez élevé, parce que c'est des jeux longs. Et souvent, les Monster Hunter sont certes des jeux longs. Au début, c'est pas très rythmé. Mais par la suite, vous amuserez à donf. Ben comme là, franchement, le combat avec le raptor, c'était épique. Et ce genre de moment, on en aura de plus en plus. De plus en plus. Donc après, et puis, à chaque fois, c'est pas répétitif. Il y a beaucoup de monstres différents. En tout cas, dans le 3, il y en avait beaucoup. Je crois qu'il y avait une bonne... peut-être une bonne soixantaine, voire plus, peut-être une centaine carrément, de boss différents. Parce que bon, c'est principalement ça, c'est principalement on affronte des monstres. Et on peut se balader tranquille dans la prairie, mais... Je pense que c'est un peu moins ça le but. C'est un peu moins que Zelda. Zelda, c'est plus... on se balade dans la prairie simulateur. Prairie simulateur. Chacun ses goûts. Moi perso j'aime les deux. Hein. Voilà. Il faudrait que je laisse une seconde chance un jour à Monster Hunter 3. Parce que peut-être qu'avant j'étais pas trop ça et finalement... peut-être que j'ai changé de goût. C'est bon, ça fait super longtemps sur Monster Hunter 3 et puis en même temps il y avait... La 3DS, il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de hits qu'il fallait que je fasse aussi, comme le fameux Resident Evil Révélation. Mais ouais, il y avait beaucoup en plus de jeux qui sortaient sur la 3DS à ce moment-là qui étaient énormes, et du coup, bah, j'ai un peu fait l'impasse sur Monster Hunter 3. Là, je le promets que pour ce World, bon, déjà en plus, parce qu'il y a un pote qui va y jouer sérieusement, je promets que je m'y mettrai. Enfin voilà. Du coup sur ce, c'est quand même une démo très convaincante. Hein, et on a pu faire beaucoup de choses. On a quand même 3 missions qui durent 20 minutes. Une bonne démo. Hein. Faut pas se le cacher. C'est assez rare d'avoir des bonnes démos comme ça maintenant. Donc il faut vraiment remercier. Merci Capcom. Mais par contre, ne ressortez plus un Street Fighter 5 version Alpha Ultimate Turbo. Voilà. Sortez un Street Fighter 6, si c'est un nouveau Street Fighter. Voilà, c'était le message d'un fan d'un fan de Capcom. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.